Bonjour tout le monde et bienvenue à les ressources revues. Mon nom est Carly Joseph Messin et je suis une travailleuse de santé mentale avec Salariel. Aujourd'hui, je suis avec Danica Odette de Pluri-elles. On dit comme ça? Okay. Mm-hmm. Merci pour être ici. Tes questions, on pourrait commencer avec quel sort de travail que vous faites à Pluri-elles? Donc, nous sommes un organisme francophone qui contribue et collabore au développement et au bien-être de chaque individu pour offrir des différents programmes et des services de qualité aux membres de la communauté. Qui peut accéder à vos services? Donc, tous les services de Pluri-elles sont offerts à toute personne dans la communauté francophone. Donc, n'importe qui de n'importe quel âge, aînés, adultes, enfants, adolescents, ainsi que n'importe qui de tous les genres, on offre aussi. Donc, c'est ouvert à beaucoup, beaucoup de gens. C'est des services gratuits? Tous nos services sont gratuits et confidentiels, donc aucun coût pour tous les services. C'est quoi votre impact sur la communauté? Donc, notre impact dans la communauté, c'est vraiment de servir la communauté, de savoir quels sont leurs besoins et ensuite de répondre à travers de plusieurs différents programmes que nous avons. On a aussi la lutte pour les francophones au sein de les différents secteurs pour pouvoir offrir ces services dans la communauté. Ainsi que de donner l'information qu'ils ont besoin et leur aiguiller vers les services disponibles dans la communauté aussi. OK. Pourrais-tu me donner un couple d'exemples de tes programmes? Donc, nous avons vraiment trois secteurs clés, ainsi que plusieurs différents projets à l'intérieur de ces secteurs. Le premier secteur, nous avons l'alphabétisation, ce qui donne des cours de langue, de mathématiques et de technologie à la communauté. Nous avons le secteur d'employabilité, qui aide les gens à retrouver des emplois, à travailler leur CV, leur résumé, faire des entrevues, donner des différents ateliers sur la présentation au travail, des différentes choses comme ça. Ainsi que le secteur counseling et entraide. Nous travaillons avec des gens pour faire du counseling individuel, en couple, en famille. Nous faisons aussi des ateliers dans la communauté, dans les écoles, les organismes ouverts à tout le monde sur des sujets variés comme la santé mentale, accueillir l'hiver, les personnalités de couleur. On développe souvent des ateliers qui répond aux besoins de la communauté en ce moment. Mm-hmm. Pour les services, est-ce qu'il y a des longues périodes d'attente? Donc, il n'y a pas de période d'attente à Pluri-elles. Donc, il s'agit d'appeler et demander pour un service et nous allons répondre à la demande aussitôt possible, habituellement durant la même semaine. Fantastique. Vous avez des parties et des services en français avec les polices? Oui, donc on offre le reportage de tierces parties, le third party reporting. Mm-hmm. Donc c'est la façon de reporter une agression sexuelle ou une agression qui a été faite envers quelqu'un de façon anonyme à la police. Donc okay. Les gens sont à venir à Pluri-elles. Ils vont faire le reportage avec une conseillère ou un conseiller. Et de là, nous allons le reporter anonymement à la police pour qu'ils puissent avoir les détails à leur portée et la victime peut rester anonyme tout au long du processus si elle le désire. C'est quoi le plus important que tu penses que tout le monde devrait savoir de votre
compagnie? Juste que nous avons tellement de services qui sont différents, qui peuvent combler plusieurs différents besoins. Donc, si vous êtes hésitant de savoir si on offre ces services ou si on peut vous aider dans certains services, d'appeler Pluri-elles et de voir ou d'envoyer un courriel et de voir si on peut vous aider dans votre certaine circonstance. C'est beau. Puis la dernière question, t'as-tu quelque chose dans ton office que t'aimes comme un item qui te fait sourire ou... Oh oui. J'ai ma grenouille zen. ça me fait sourire parce qu'elle est un peu drôle, mais aussi ça me rappelle de garder le calme dans des situations qui peuvent être un peu bouleversantes ou quand il y a beaucoup de choses qui se passent à tout temps. C'est beau, fantastique. Alors, merci encore pour être avec nous. On va faire certain que les informations additionnelles sont dans la description. Et merci encore. Merci à toi.